Donc, le facile à lire, pour moi, c'est effectivement un levier pour une bibliothèque inclusive. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Alors, déjà, dans quel cadre on se situe quand on parle de facile à lire? On est clairement dans le cadre de l'accessibilité. Donc, c'est un mot qu'on entend de plus en plus dans notre société, mais aussi en bibliothèque, mais depuis relativement peu de temps. Donc, désormais, les bibliothèques, en tant qu'ERP, établissement recevant du public, se doivent d'être accessibles, accessibles au niveau du bâti, du bâtiment, de la circulation dans le bâtiment, mais aussi au niveau de l'accessibilité aux collections, à l'information, à la documentation. Donc, il y a déjà une prise en compte de cette accessibilité pour tous qui est mise en œuvre dans un cadre législatif par rapport au handicap. Donc aujourd'hui, on parle de bibliothèque accessible avec beaucoup de pictogrammes différents qui désignent cette accessibilité qui va au-delà du handicap. Donc vous voyez là, bien sûr, les pictogrammes du handicap visuel, du handicap auditif, du handicap moteur, mais vous avez aussi la notion de vieillesse qui est représentée, la notion de fatigabilité, hein, c'est le troisième en haut où on voit quelqu'un qui marche un petit peu plus doucement, mais on a également le jeune parent avec la poussette ou la personne qui a un caddie. Donc, cette notion d'accessibilité, elle est beaucoup plus globale que ce qu'on entendait il y a quelques dizaines d'années, où on pensait avant tout au handicap, et essentiellement d'ailleurs au handicap moteur. Alors, du coup, on introduit une notion qui est différente, qui est la notion d'inclusion qu'on utilise de plus en plus et qui est beaucoup plus intéressante encore que la notion d'intégration. Pendant longtemps, on a parlé d'intégration. Donc, c'est effectivement admettre dans la société des gens qui ont une différence, mais en les laissant, vous voyez le pictogramme du milieu, en les laissant quand même un petit peu séparés, séparés dans un tout. Alors que la notion d'inclusion, elle est beaucoup plus fine et beaucoup plus intéressante, qui est que les personnes en situation donc de handicap ou d'exclusion, vont être considérés à part entière comme des personnes dans la société. Alors, ceci sous-entend qu'on va donc mettre l'accent sur la nécessité d'éliminer les barrières à l'inclusion dans l'environnement plutôt que sur le fait d'essayer d'intégrer l'individu à la norme. C'est-à-dire que ce travail sur l'environnement va relativiser les empêchements, les barrières. Alors bien sûr, une personne en situation de handicap reste en situation de handicap, mais elle va l'être plus ou moins suivant l'accessibilité de l'environnement. Et donc ce qu'on dit aujourd'hui et qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'essayer de travailler sur cet environnement global et de le rendre plus conçu pour tout un chacun, plutôt que de dire, on prend l'individu et on va essayer de l'intégrer à quelque chose qui est très normatif. Donc ça introduit la notion de conception universelle. Alors, c'est quoi la conception universelle? C'est le fait de ne pas être obligé de prévoir des adaptations et des conceptions spéciales. Donc, c'est par exemple l'idée d'avoir la pente qui va être préférable ou d'avoir plutôt un bâtiment de plain-pied qui va être préférable au fait de mettre une pente, une rampe d'accès en parallèle de l'escalier. Donc, si je prends un exemple en bibliothèque, c'est de penser le guide de la bibliothèque en un seul support qui va être à la fois visuel et audio, qui va être écrit en langage clair, qui va utiliser un langage simple,
des pictogrammes, des photos, et donc de le penser dès le départ pour que tout un chacun puisse le lire, quels que soient ses empêchements. Donc c'est plus intéressant que de faire le guide standard de la bibliothèque et puis d'en faire une version facile à lire, à comprendre, une version audio, etc. Donc vous voyez, c'est d'essayer de penser dès le départ à quelque chose qui soit conçu pour tout le monde. Voilà, donc le facile à lire rentre pour moi dans ce cadre vraiment général de l'accès. Alors, c'est quoi le facile à lire? J'essaie de vous donner une définition qui est la mienne. C'est un ensemble de livres qui vont être accessibles dans leur forme et dans leur pour des adultes qui ne lisent pas ou lisent peu ou lisent plus ou ne lisent plus. Alors, on a bien la notion de public adulte ou grand adolescent aussi, bien sûr, le public des jeunes. Mais dans tel qu'on l'a conçu, le facile à lire n'est pas prévu pour les enfants. Il y a parfois des confusions qui se font avec des fonds lire autrement, des fonds d'édition adaptés pour les enfants dyslexiques, par exemple. C'est une autre réflexion. Un autre travail à mener, à mon avis, en parallèle. Donc, ce n'est pas un hasard d'ailleurs si la plupart des bibliothèques qui ont des espaces faciles à lire ont également des fonds, alors qui s'appellent, qui ont plusieurs dénominations. Ça peut s'appeler Lire autrement, ça peut s'appeler Bibliodis, peu importe, mais en tout cas, ont la même réflexion pour rendre la lecture plus accessible à des enfants qui ont un certain nombre de difficultés. Mais c'est à mener en parallèle dans un autre espace. Donc, on ne le fait pas rentrer dans le facile à lire. Et quand je dis des adultes qui ne lisent pas ou lisent peu ou ne lisent plus, j'englobe beaucoup de monde. Donc, s'ajoute à cela la notion de mise en espace. Donc, vous allez voir tout à l'heure en exemple par des photos. La mise en espace est extrêmement importante, c'est-à-dire le fait d'avoir réfléchi à d'autres mobiliers, d'autres façons de présenter les livres, bon, que ce soit attractif aussi, ça c'est important bien sûr. Et ce qui est aussi marquant, je crois, dans les espaces faciles à lire, c'est la notion de diversité du choix proposé et de qualité. Donc, il y a encore quelques années, quelques dizaines d'années, quand une personne était amenée par une assistante sociale, par exemple, disant, bah voilà, c'est, je vous amène une personne qui réapprend à lire, qui a un certain nombre de difficultés avec l'écrit, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Bah, on a sonné à l'espace jeunesse en disant, bah écoutez, si vous voulez quelque chose de vraiment simple, on va aller voir en jeunesse. Ben oui, mais sauf que, évidemment, si on fait cette démarche, on n'est pas respectueux de la dignité de la personne en tant qu'adulte. Donc là, la démarche de facile à lire, elle est bien de proposer quelque chose qui soit satisfaisant, qui soit valorisant, qui soit intéressant pour des adultes, même s'il y a des difficultés concrètes d'approche de la langue ou de la lecture, enfin des difficultés qui vont être de diverses natures, mais de garder quelque chose d'intéressant à proposer. Et souvent, c'est la réflexion qu'on a quand alors même des professionnels, quand ils découvrent un espace facile à lire, c'est de dire, ah ouais, mais finalement, il y a plein de choses. Et puis, finalement, ça a l'air intéressant, c'est plus large que ce que j'imaginais. Alors, on est, à mon avis, tout à fait dans cette notion d'inclusion dont je parlais tout à l'heure, parce que on ne crée pas un fonds spécifique pour des citoyens qui sont en difficulté avec la norme, en disant, voilà, ça c'est un fonds pour personnes en difficulté avec la lecture. On met en avant une certaine typologie de livres
qui sont des livres ordinaires en plus, qui ne sont pas des livres adaptés dans le cadre de l'exception handicap, par exemple, donc des livres d'édition courante. Mais simplement, ces livres, on les aura sélectionnés très finement selon des critères de lisibilité. Donc, les premiers reproches qu'on a pu entendre au tout début de cette aventure sur oui, mais est-ce que ça va pas être discriminant quand même de faire un espace dédié pour les gens qui sont en difficulté? Ben non, parce qu'on ne fait pas pour les gens en difficulté. On dit simplement, voilà, à cet endroit, on a disposé un choix de livres sur tous les sujets, mais qui sont rapides à lire, faciles à lire, qui, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui finalement demandent. Alors, pour qui? Pour qui, quelles sont les personnes qui, dans la population, vont avoir besoin de livres faciles à lire? Alors, la première, le cœur de cible, je vais dire, des espaces faciles à lire, ce sont les personnes en situation d'illettrisme. En tout cas, dès le départ, pour nous, en 2014, quand on a commencé ce travail en Bretagne, on s'est clairement situé dans la lutte contre l'illettrisme. Bon, c'est pour ça aussi que dans le comité national de pilotage, il y a l'ANFCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc, l'illettrisme, ça représente 7% de la population française en moyenne, d'après la dernière enquête, qui porte sur les 18-65 ans. Donc, déjà, vous voyez que n'y sont pas les personnes âgées. C'est une enquête qui a été faite sur les ménages, donc n'ont pas été questionnés non plus les publics, les populations qui sont en prison, les populations qui sont sur les aires du voyage, celles qui sont dans les foyers médicalisés. Or, ce sont des lieux où nous savons qu'il y a un taux d'illettrisme particulièrement important. Donc, quand on dit 7%, bon, voilà, ça n'est qu'un chiffre. Ce qu'il faut voir derrière, c'est que d'abord, c'est certainement un chiffre plancher, et puis que ça représente quand même 2 500 000 personnes. Donc, et à chaque fois, une personne, c'est une famille derrière qui va être impactée. Alors, en Normandie, j'ai regardé un petit peu la situation, donc vous êtes un tout petit poil au-dessus de cette moyenne nationale avec 8% de la population normande en situation d'illettrisme. Mais surtout, ce qui est toujours frappant, quelle que soit la région, c'est qu'il y a des zones très touchées et d'autres beaucoup moins. Donc là, bah, je ne vous apprends sûrement rien si vous êtes de Normandie. Voilà, les zones de Vire, de l'Aigle-Mortagne, d'Argentan-Vimoutier. Vimoutier, j'ai eu l'occasion de m'y déplacer d'ailleurs, d'y faire des formations, pays du Camembert. Donc ça, c'est dans l'Orne. Donc des zones où il y a vraiment une population particulièrement en difficulté de lecture. Il y a aussi la zone de Dieppe, plus près de chez vous, pour la Seine-Maritime, et puis le Sud-Manche aussi. Donc voilà, on sait très bien les endroits où il y a de plus grosses difficultés. Alors là, je vous renvoie à si vous souhaitez en savoir plus, il y a des informations très précises qui sont données par le CARIF OREF de Normandie. J'ai prélevé juste une des cartes qui est la part des non-diplômés en Normandie, et on voit que ça reprend très exactement les zones que je viens de citer. Voilà, la zone de Dieppe, la zone de Mortagne, la Vimoutier, etc. Donc, il y a bien sûr une coïncidence entre le pourcentage des gens non diplômés et l'illettrisme, mais aussi il y a d'autres graphiques sur le nombre de jeunes en grande difficulté, le nombre, l'exclusion sociale, le taux de pauvreté, etc. Alors, au-delà de ce public en situation d'illettrisme, on a les adultes allophones, donc les publics étrangers qui arrivent en France, qui ont besoin d'apprendre la langue, bien sûr. Donc ça relève du FLE, le français langue étrangère. On a aussi une partie des étrangers qui n'ont pas été scolarisés dans leur propre langue. Donc là, ça relève de l'alphabétisation. Ensuite, on a un
une population alors très diffuse, très difficile à cerner, qui sont ces familles en grande précarité, qui sont, alors comme on dit dans notre jargon de bibliothécaire, éloignées de l'écrit. Alors c'est un peu du politiquement correct, mais pour désigner une réalité très forte qui est en fait tous ces gens qui ont souvent un très mauvais souvenir de l'école, mauvais souvenir donc du livre, qui assimilent un petit peu la bibliothèque à l'école. Et qui ne viennent pas dans les bibliothèques. Alors, parfois ils lisent bien, techniquement ils peuvent lire, mais c'est plutôt l'image symbolique de la bibliothèque qui va les arrêter. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont vous dire, c'est pas pour moi, la bibliothèque c'est pour les intellos, je ne sais pas assez bien lire pour aller dans une bibliothèque. Une peur aussi de l'institution bibliothèque. Dans une bibliothèque, on arrive, on présente ses papiers, on s'inscrit, on a une carte, il y a des règles, des règlements avec des délais d'emprunt, avec parfois des pénalités si on ne rentre pas. Et tout ça, on ne s'en rend pas compte quand on est pleinement, on profite pleinement des établissements culturels, mais ça fait des freins énorme pour les gens. Des problèmes plutôt d'ordre psychologique, d'ordre de la représentation. Alors, ce sont souvent des personnes qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, pardon, qui ont aussi un quotidien qui les renvoie tout le temps à l'échec. Et donc, la bibliothèque, comme le théâtre ou le musée, ce n'est pas un lieu qu'ils fréquentent facilement. Ils ne s'autorisent pas, d'ailleurs, à fréquenter ces lieux. Alors, un petit graphique que j'ai. Bon, les chiffres sont du ministère de la Culture et c'était paru dans la Gazette des communes. Alors, on voit qu'il y a 16% dans les non-usagers. Donc, c'est une enquête qui a été faite sur les non-usagers. Il y a 16% qui n'ont jamais fréquenté une bibliothèque. Vous avez 21% une ou deux fois dans la vie. Alors, ça veut dire quoi, ça? Une ou deux fois dans la vie, ça veut dire peut-être, oui, ils ont été amenés par un prof un jour dans le cadre scolaire, mais voilà, donc des venues à la bibliothèque vraiment très ponctuelles et pas forcément voulues. Et puis après, vous avez au moins une fois par mois, 39%, ça c'est plutôt le public des usagers, et moins souvent qu'une fois par mois, 25%. Si on vient moins souvent qu'une fois par mois, en général, c'est qu'on n'est pas inscrit, puisque les prêts sont en général de moins d'un mois. Donc voilà, il y a quand même un pourcentage très fort de citoyens qui ne viennent pas dans les bibliothèques, ça vous le savez. Bon, certains, ça ne nous soucie pas trop si c'est un médecin qui achète ses propres livres ou qui prend dans sa bibliothèque personnelle. Bon, ça ne nous paraît pas trop grave. Mais quand on est, sur des gens qui n'ont jamais eu le choix qui n'ont jamais ressenti l'intérêt de la lecture, ça pose question parce que on souhaite qu'ils aient au moins la possibilité de découvrir le livre pour ensuite faire le choix d'y aller pas. Ensuite, il y a toute la population en situation de fatigabilité, ce qui comprend les personnes âgées, voire très âgées en maison de retraite, en EHPAD, les gens hospitalisés. Les gens sous traitement aussi, il y a de plus en plus de personnes sous antidépresseurs, hein, et dans ces cas-là, alors, ça va toucher à la faculté de concentration. Donc, c'est des gens qui vont pas prendre des bouquins un petit peu ardus ou des livres un peu longs, qui vont avoir besoin de choses certainement plus courtes. Alors, il y a aussi toute une population de gens qui veulent reconquérir une culture générale que la vie ne leur a pas donné l'occasion d'acquérir. Donc, dans cette
cette partie des gens, vous avez soit des jeunes adultes qui se rendent compte au bout peut-être de 10 ans après avoir quitté l'école que ils ont raté quelque chose, quoi, que bah ouais, l'école ça les intéressait pas, ils n'ont jamais lu, mais voilà, 10 ans après, ils sont désormais des adultes, peut-être mariés avec des enfants, et ils se rendent compte que bah, il leur manque quelque chose. Donc ça peut être à ce moment-là qu'il y ait une envie de rattraper. Ça peut être au début de la retraite, des gens qui ont beaucoup travaillé dans leur vie et qui se disent, bah voilà, la retraite, c'est un temps de rattrapage et bah, je vais me remettre. Alors, pour certains, c'est apprendre une langue, pour d'autres, c'est réapprendre bah, l'histoire, la littérature, se remettre à lire, tout simplement. Alors, cette notion-là, elle me semble importante, hein, l'autodidaxie, parce que, en fait, bon, on n'a pas le temps de trop développer aujourd'hui, mais le rapport au savoir a beaucoup changé. Et aujourd'hui, on ne se forme plus, quand on est jeune, une fois pour toutes. La formation initiale ne suffit plus, on se forme de la vie, parce qu'on a besoin de se réorienter professionnellement parfois, ou parce qu'on a des changements dans sa vie personnelle et que, y a d'autres besoins qui émergent. Donc aujourd'hui, il y a une notion très forte d'apprendre tout au long de la vie. Et pour nous, bibliothèque, bah, ça veut dire de mettre en œuvre d'autres services. Je pense notamment aux ressources d'auto-formation qui sont extrêmement importantes. Tout ce qui va être l'initiation au numérique que les bibliothèques font bah, depuis l'apparition d'Internet. Hein. Bon nombre de personnes ont été initiées d'abord en bibliothèque ou viennent chercher de l'aide en bibliothèque. Pour l'apprentissage de la langue, il y a les ateliers de savoir linguistique. Et donc, cette notion de livre pour apprendre, elle est aussi intégrée dans le facilitateur, où on essaye de mettre des livres documentaires de première information qui vont correspondre à ces personnes qui veulent apprendre, mais qui ne vont pas bah, faire toute une formation et avoir des manuels assez ardus. Voilà, tout le public. Alors, il y a aussi, à un moment donné, on croise le public en situation de handicap. Quand on parle de dyslexie, bah, un enfant dyslexique devient un adulte dyslexique. Et ce sont des personnes bon, qui ont appris à faire avec leur dyslexie. Donc, on les retrouve dans toutes les branches professionnelles, mais la lecture reste quelque chose de difficile. Donc, ils sont demandeurs aussi de livres faciles et puis peut-être d'autres formes de lecture, c'est-à-dire le livre audio, le numérique, etc. Les sourds de naissance sont encore à 80% en situation d'illettrisme, il faut le savoir. Donc, c'est aussi une population importante qui est invisible dans la société, dont on parle peu, mais qui a de réels besoins et à qui on peut proposer certaines choses, notamment au niveau de documents très graphiques. Par exemple, la bande dessinée les intéresse grandement. La population avec déficience cognitive, donc ça, toutes les bibliothèques sont à un moment donné sollicitées par des foyers médicalisés, des ESAT, des classes d'IME, des classes ULIS, etc. Donc on est sur une population bon, un petit peu en établissement, hein, qui vient, en général, ils viennent pas en individuel, mais ils sont en collectivité, mais ils aiment beaucoup le livre et beaucoup le lieu bibliothèque. Donc c'est pas parce qu'il y a une déficience intellectuelle qu'il n'y a pas un intérêt pour le livre. Et bah ça, je pourrais vous prouver parce que dans notre prix facile à lire en Bretagne, on fait participer beaucoup d'établissements et pour eux, c'est vraiment un grand bonheur, quoi. Et on arrive à leur présenter la totalité des livres. Hein, on ne fait pas du sur-mesure pour eux. On leur présente. Voilà. Et puis, il y a aussi bah, dans les usagers, alors par contre, dans les gens qui fréquentent les bibliothèques, il y a beaucoup de personnes, des livres, passez-moi l'expression, pas prise de tête, c'est comme ça que les gens l'expriment. Alors, surtout en ce moment, hein, avec le confinement, je pense que les gens
demande beaucoup. Voilà, il ne faut pas des livres trop plombants, trop longs, trop compliqués. Donc cette demande de lecture, alors c'est double, c'est à la fois de lecture optimiste et puis aussi de lecture pas compliquée au niveau structure du livre. Donc ça, c'est une demande qu'il faut aussi entendre. Alors, c'est pas parce que c'est léger que c'est facile à lire, hein, ça, on développe ça dans les formations, mais il y a quand même quelque chose à retenir de cette demande. Et puis, il y a les gens qui n'ont pas le temps de choisir, qui ne savent pas quoi choisir. Alors, ça peut être des bons lecteurs, hein, mais puis ça peut être certains jours. Voilà, ils arrivent, ils n'ont pas trop d'idées. Et donc, le fait de choisir dans un éventail beaucoup plus restreint, bah, évidemment, c'est très tentant. En Angleterre, et je crois aussi au Canada, ils ont introduit une notion intéressante qui est le quick reads. Alors, c'est intéressant, quick to read, ça veut dire rapide à lire, mais il y a aussi cette notion de rapide à choisir finalement. Et je crois que le facile à lire fonctionne aussi parce que c'est rapide de choisir dans une centaine de livres, voilà, présentés de manière attractive, bah oui, c'est plus facile. C'est un peu la même démarche que quand les gens se servent sur le chariot de retour. Que d'aller sur les rayonnages où tout est bien classé, il y a des milliers de livres. Voilà, donc c'est un concept très développé dans les pays d'Europe du Nord. Donc voilà un exemple en Suède. Alors par contre, au niveau mobilier, ils n'ont pas forcément fait des choses extraordinaires. Donc ils ont déterminé des niveaux aussi dans le facile à lire. Alors là, c'est traduit par c'est Google Trad, hein, donc mais vous voyez type de facile, nombre de pages 67, voilà poche léger sur avec un thème amour. Donc nous en Bretagne, c'est parti, je le disais, avec un fort soutien de la DRAC. Livre et lecture a été missionné pour déployer ça sur toute la région. Et il y a le soutien très fort des quatre bibliothèques départementales. Alors, c'est parti du Finistère parce qu'il y a eu le pacte d'avenir pour le Centre-Bretagne, donc une enveloppe pour la restructuration économique, et Campac a souhaité financer des premiers espaces faciles à lire pilotes dans certaines bibliothèques. Donc là, la DRAC a financé mobilier et collection. Ça a constitué un premier kit un petit peu d'une centaine de livres pour que les bibliothèques reçoivent ça carrément sans se poser de questions. Enfin, en parallèle, on faisait beaucoup de formations, beaucoup de rencontres avec les bibliothécaires pour les convaincre et puis pour se mettre d'accord sur les critères du facile à lire. En Ille-et-Vilaine, c'est parti très fort aussi et c'est très fortement développé parce que nous faisions depuis plusieurs années un travail de fond avec KTD CarMonde. Donc c'est un travail passionnant auquel j'ai eu la chance de participer et qui nous a permis de travailler les gens dont on parle avec ces publics en grande précarité, en exclusion, qui ne viennent pas dans les bibliothèques. Donc là, on n'avait pas de personnes donc qui avaient fait un petit peu de chemin et qui étaient prêts à militer du coup à t'aider pour partager cette expérience et on leur a demandé bah qu'est-ce qui ferait passerelle pour aller dans les bibliothèques, qu'est-ce qui ferait que vous pourriez venir de manière plus aisée, et donc ce qu'ils nous ont dit c'est il faudrait mettre des livres plus faciles pour des lecteurs débutants. Des romans photos, des livres à feuilleter, et qu'il faudrait les mettre pour qu'ils soient très visibles et faciles à repérer. Donc ça, c'était dans les années 2010. Donc évidemment, les espaces faciles à lire ont été la mise en œuvre tout à fait évidente de ce travail de fond qui a été mené avec ATD. Et donc avec la bibliothèque départementale d'Ille-et-Vilaine, la bibliothèque de Rennes et un certain nombre de bibliothèques sur le territoire. Voilà, donc
En Bretagne, on a donc un engagement fort des quatre BDP. Alors, il y a un travail sur la définition des critères, sur le choix des livres, sur la mise en. Il y a eu la création du logo Facile à lire, qui a été repris après nationalement, mais qui au début s'appelait Facile à lire Bretagne. Développement des partenariats, et puis les médiations qui se sont mises en œuvre et qui ont été de plus en plus approfondies sur tous les départements. Et puis, bien sûr, le prix qui a joué un rôle très important, parce que là, on est, enfin, peut-être que Ludovic en parlera aussi pour Caen cet après-midi, mais un événementiel, c'est important parce que ça permet d'avoir un peu de presse autour de ce qu'on fait. Donc ça, mine de rien, c'est important parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu des articles, y compris dans la presse nationale, qui ont parlé du travail de fond qui était fait autour du facile à lire. Mais s'il n'y avait pas eu un prix avec cette perspective de venue d'auteur, d'un prix décerné à un auteur, peut-être qu'on aurait eu beaucoup moins de médias autour de ce travail. Voilà, donc aujourd'hui, on a 89 espaces faciles à lire en Bretagne. On est à notre troisième édition du prix. Et on arrive, alors au tout début, c'est moi qui faisais les bibliographies, les sélections. Et aujourd'hui, on est sur un travail collectif. Donc ça, c'est génial. Alors, ça se fait au niveau départemental parce qu'on ne peut pas se réunir toute la Bretagne. Vous imaginez, c'est comme s'il y avait toute la Normandie, ce serait un peu compliqué. Mais sur un département, c'est vraiment faisable, le fait de travailler dans un groupe de bibliothécaires avec peut-être un associé. Et puis en mettant dans la boucle de ce travail un libraire, enfin nous c'est ce qu'on fait en Ille-et-Vilaine. Depuis un an, il y a un libraire qui réfléchit avec nous sur le repérage de livres faciles à lire. Et on publie en fin de chaque année une sélection ça vaut ce que ça vaut, c'est notre choix, mais ça peut aussi servir sur d'autres territoires, dans d'autres régions. Et je pense qu'on arrive certainement à une mise en commun nationale aussi, ce serait bien. Parce que dans le Finistère, au Côte d'Armor et maintenant dans d'autres départements, il y a ce même travail collectif qui se met en place. Alors, quel livre? Donc, comme les pays d'Europe du Nord, on a gardé les trois niveaux de lecture. Qui ne sont pas des niveaux qui vont être désignés pour le public. C'est vraiment un panel. Mais écrit sur les livres, c'est pas dit aux gens, c'est pas, on leur dit pas, vous, il faut vous lisiez du niveau 2. Mais pour nous, ce sont des repères. Donc un livre de niveau 1, ça va être un livre qui va être très visuel, qui aura peu de texte ou pas du tout de texte, et qui pourra être lisible en mode feuilletage. Donc, on a cet exemple avec un magnifique Leporello, Les éléphants peints de Jaipur, ou bien le visuel essentiel, qui est, comme le nom l'indique, un dictionnaire visuel qui permet, comme un imagier finalement, donc très utile pour du public, par exemple, qui apprend la langue française. Les livres de niveau 2. Alors là, ça s'adresse à des adultes qui débutent dans la lecture, donc soit des personnes en situation d'illettrisme qui sont retournées en formation, soit des publics étrangers qui apprennent le français. Et donc eux, ils veulent pas d'images, hein. Enfin, ils veulent pas de livres purement visuels, ils veulent du texte, puisqu'ils veulent tester leurs nouvelles connaissances, mais ils vont vouloir des choses courtes et simples. Donc là, je vous montre en exemple deux collections. La collection de Petites poches de Thierry Magnier à gauche, qui est de la fiction, donc des petits romans de moins de 40 pages écrits gros, avec des chapitres, avec du vocabulaire très simple, des noms de personnages simples, mais avec un vrai thème, qui peut intéresser les adultes. En général, dans ces romans, il y a deux niveaux de lecture, donc
Au départ, c'était prévu pour des grands-enfants de 10-12 ans. Donc, ils vont lire à un certain niveau. Mais avec des adultes, on pourra voir le sens plus profond qu'il y a derrière. Les auteurs sont d'excellents auteurs. Et ces petits livres sont aussi des super outils de médiation parce qu'on peut en faire la lecture à voix haute en moins d'un quart d'heure. Donc, on fait la lecture du coup d'un roman entier. Et on peut derrière enclencher une discussion. L'équivalent un peu dans le domaine documentaire, c'est la collection Des graines et des guides aux éditions Adodan. Donc il y a plus de 80 titres qui présentent des personnages ayant existé, donc dans tous les domaines, personnages historiques, musiciens, réalisateurs, chanteurs, etc. Et donc ça, c'est une collection qui marche très bien aussi en médiation parce que en peu de pages, on arrive à découvrir l'univers d'une personne. Les gens repartent en ayant le sentiment d'avoir appris des choses, donc notion dont je parlais tout à l'heure, d'autodidactisme et de formation. Et puis, si je prends l'exemple d'Armstrong, que j'ai eu l'occasion de présenter, avec mon collègue, j'ai présenté les collections musique. Et on a parlé du jazz et on a présenté les collections musique de la médiathèque. Donc, c'est une fenêtre ouverte aussi sur d'autres supports de la médiathèque. Montrer que, y a aussi des DVD, des CD dans les médiathèques. Voilà. Ensuite, toujours dans ce niveau 2 et en cœur de collection vraiment des espaces faciles à lire, la collection La Traversée, dont Nathalie Husquin vous parlera plus longuement pour ceux qui ont la chance de faire l'atelier. Donc là, c'est l'idéal parce que dès le départ, elle est prévue pour le facile à lire, puisqu'il y a eu un travail de relecture avec les apprenants. Alors, je vous propose justement là, donc je vais couper ma vidéo. Alors, voilà. Et je me propose de vous présenter en guise de teaser pour l'atelier de cet après-midi, une courte vidéo qui vous présente cette collection La Traversée et qui a surtout l'intérêt d'apporter le témoignage de deux personnes, deux dames qui sont des apprenantes, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui réapprennent à lire et à écrire. Et qui, voilà, vous allez écouter, qui s'exprime, je trouve, qui parle très bien de ce qu'elles ont ressenti. Et puis après, on en discutera un petit peu. Ça commence comme ceci. Sarah. Sarah est belle. Elle prend C'est bon le son? Oui, c'est bon, Françoise. D'accord, je continue. son bain. Elle est encore tôt, mais le soleil s'est déjà levé. Par la fenêtre, au ciel. Depuis 3 ans, Edith Noël suit des cours à lire et écrire vireton une fois par semaine. Elle fait partie des 250 adultes actuellement en formation dans la province. Edith a participé à la concrétisation de ce livre de Xavier Deutsch, sans dire un mot. Pour moi, c'était génial, parce qu'en plus, je n'aime pas de livres. Je ne suis pas du tout une fan pour lire. Et alors ici, le projet à lire à écrire, on nous a demandé donc de lire pour voir un petit peu si on comprenait bien et tout ça. Et alors, normalement, on devait le lire en 2 fois. Et à notre prof, on fera en 2 fois. Et alors, on l'a lu. Mais quand je l'ai commencé, là, j'ai pu su m'arrêter. Ça, je sais pas, l'histoire était vraiment entraînante, on va dire. La collection La Traversée comprend aussi Les Cerises de Salomon du Virtonnais Claude Rossi et La Tante d'Amandine Ferron. Cette jeune auteure de Bastogne s'est beaucoup investie dans le projet. J'ai rencontré les apprenants, on a passé en revue, on a lu le texte ensemble. Et donc, à des endroits où je pensais que c'était tout à fait simple et facile pour eux, il y avait des obstacles qui se présentaient et ça n'avait pas l'air d'être des plus faciles à lire. Donc, il fallait y revenir, retravailler ça.
leur demander quel mot ils comprendraient mieux, quel mot ils pensent qui serait plus facile à lire, pourquoi pas. Et donc, c'était chouette parce qu'on avait vraiment un dialogue avec les apprenants. Son fils est en salle d'opération. Thérèse William suit aussi des cours à lire et écrire. Pour apprendre à lire, ces adultes apprenants se plongent souvent dans des livres jeunesse, des ouvrages qui ne les intéressent guère. C'est vrai qu'on veut sortir un peu des livres d'enfants. On veut essayer d'avoir aussi des livres un peu adultes, c'est un peu normal. Et là, bon, les livres qu'on a donné un peu d'opinion et tout ça, là on s'est retrouvés un peu. On s'est mis dans les livres, on s'est plongé carrément dedans. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu bizarre, mais on veut arriver jusqu'à la fin du livre. Et ça nous a plu. Là, vraiment, on s'est senti vraiment quelqu'un, quoi. On s'est senti vraiment comme l'écrivain. Revaloriser les apprenants, leur donner le goût de la lecture, apprendre à aimer les livres, c'est évidemment l'un des défis majeurs de lire et écrire. Il y a tout un travail qui doit pouvoir s'opérer par rapport au livre, à l'objet livre, par rapport auquel les personnes dans l'apprentissage ne se sentent plus légitimes parce que l'histoire qu'elles ont connue ne leur a pas permis de vivre, de bien vivre. Livre et tout ce que ce livre peut apporter. En septembre, trois autres livres paraîtront. Au rythme de six ouvrages par an, la collection complète de la traversée devrait en compter 18. Mise en page adaptée, grande écriture, phrases courtes et petits chapitres. Tout est fait pour ne pas dégoûter le lecteur. Une porte ouverte pour tous ceux qui n'aiment pas lire. Voilà. Alors, est-ce que ça vous suggère une réaction, ces témoignages assez forts quand même de ces deux dames? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Qu'est-ce qu'elle nous dit qui conforte ce qu'on explique là autour du facile à lire? Oui, Séverine. Oui, bonjour. Bah, je trouve bonjour. Qu'il y a une notion qui est beaucoup revenue, c'est la notion de valorisation. Et effectivement, ça fait écho à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que peut-être spontanément des bibliothécaires orientent vers un roman jeunesse, ce qui ne correspond finalement pas du tout aux attentes de ces publics empêchés. Mmh. Et là, c'était vraiment pertinent d'entendre... ces lecteurs valorisés dans l'histoire, dans l'envie de découvrir la suite, parce que c'est ce qui est revenu aussi, hein, finalement. Ouais. Et oui, c'est ça, ne pas être pris pour des enfants, quoi. C'est quand même très humiliant quand on vous emmène à l'espace des enfants. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des livres jeunesse, enfin, dits jeunesse dans nos classifications de bibliothécaires et d'éditeurs dans un espace facile à lire, mais c'est pas la même chose que d'emmener la personne dans l'espace jeunesse connoté avec les petits fauteuils colorés, etc., et dans un univers où il y aura que des livres jeunesse. Vous voyez, le livre, un album jeunesse peut avoir un sens tout à fait différent s'il est en espace facile à lire à côté d'un roman adulte et d'un doc ado. Vous voyez, donc est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Ourdia. Et ensuite, Lorena. Bonjour. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'ai vraiment apprécié dans ce petit film, c'est qu'en effet, au-delà des ressources qui sont disponibles, ce qui est vraiment transparent dans ce film, c'est que les gens sont vraiment dans un climat de confiance. Et au-delà des ressources, c'est vraiment le lien qui s'est créé et avec les auteurs et avec les équipes. Et ça, je pense que c'est vraiment, ça me semble vraiment un paramètre très, très important dans l'action. Ouais. Je trouve que les gens sont, dans leur témoignage, vraiment, ça ressort beaucoup. Et,
Et je trouve que c'est assez valorisant, mmh. et pour eux et pour l'action. Ourdia, vous vouliez dire quelque chose ? Faut ouvrir votre micro. Oui, ce qui me paraît intéressant dans ce qu'on a entendu de ces dames, de ces personnes, c'est cette idée d'être aussi presque acteur, hein, c'est très important, hein, qu'elles participent elles-mêmes. Effectivement, c'est un regard sur ces changements de regard très très importants. Voilà. Donc moi, c'est que je travaille dans une bibliothèque de quartier où il y a ce problématique sociale. C'est vrai que c'est quelque chose de fondamental de se mettre à leur niveau, bien évidemment, parce que ça implique une notion de jugement, mais plutôt de partir avec les gens d'où ils partent, en fait, d'où ils sont. C'est ça qui est important. C'est quelque chose de très très diplomatique. Très fin, hein. C'est-à-dire c'est pas de dire se mettre à leur niveau, parce que déjà mettre à leur niveau c'est un jugement pour moi, hein. C'est plutôt de partir de ce qu'ils sont, de leur histoire, et du coup de faire du livre un outil de médiation, et ça c'est vraiment essentiel. Voilà ce que je voulais dire, préciser. Donc, la notion de rencontre est très importante effectivement, parce que c'est en rencontrant l'auteur que les personnes ont réalisé qu'ils étaient abordables. Et quand elle dit « là, on s'est senti quelqu'un », enfin, donc vous voyez tout ce que je disais sur le manque d'estime de soi, c'est très fort, puisque là, elle s'est sentie quelqu'un. Parce qu'avant de lire un livre et de rencontrer l'auteur, elle ne se sentait pas quelqu'un, quoi. Ça veut dire ça. C'est... Donc, c'est… Souvent, nous, bibliothécaires, on ne mesure pas ce fossé énorme qu'il y a, ce fossé culturel et cette auto-censure que les gens exercent sur eux-mêmes, quoi. Ils ne s'autorisent pas à aller en bibliothèque, mais si on arrive à les faire venir, alors du coup, il y a tout ce biais des partenaires pour réussir à ça, et qu'on crée le climat de confiance, comme vous dites. Bah après, par contre, on peut emmener les gens très loin. Et enfin, on le constate réellement quand on fait ce travail avec ce type de population. Et d'un seul coup, ils découvrent qu'ils ont des choses en eux, qu'ils ont des compétences, quoi, y compris en lecture. Et puis qu'ils ont des choses à dire sur les livres. Et puis que voilà. Mais la chance, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans ce qu'on appelle, c'est très à la mode, mais dans une démarche participative. Donc, ça peut faciliter aussi beaucoup les partenariats, ces démarches participatives où les gens sont acteurs. Mmh. Ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est vrai que si ça peut se partager dans l'ensemble des bibliothèques, du monde du livre, je pense que ça va faciliter grandement cette démarche d'appropriation. Ouais. Mais c'est une démarche un peu exceptionnelle parce que là, il y a une association derrière. Oui, souvent. Et donc, clairement, de l'argent public. Parce que… Bien sûr. C'est ça. C'est un processus, oui. Ludovic, tu veux intervenir ? Ludovic Charrier. Oui. Bonjour Françoise, bonjour à tous. Bonjour. Pour rebondir sur la remarque de François, justement, il y a une association derrière. Est-ce qu'il y a des initiatives comparables en France qui émergent en la matière, un éditeur en lien avec une association pour la promotion de l'accès à la lecture ? Les choses ont été un petit peu mises au ralenti depuis un an. Nous, en Bretagne, on avait cette intention. On avait commencé à mettre un petit peu des choses en place, mais voilà, c'est encore à créer, en fait. Mais l'idée, c'était… alors, pas d'aller démarcher un éditeur qu'on pressent, etc., mais plutôt de faire un appel d'offres, enfin, un appel à candidature, peut-être, avec un cahier des charges, de mettre en place… un petit comité de pilotage, et en associant aussi l'association Lire et Écrire, puisque ils ont fait quelque chose d'assez formidable, donc on peut le modéliser sur notre territoire, mais c'est bien de profiter de leur expérience. Donc voilà, on avait ce projet là je crois qu'en Occitanie ils ont un peu ce projet aussi, mais je pense que c'est faisable en France quand même. Je pense qu'on aura dans quelques années des collections faciles à lire,
parce que les éditeurs vont être sensibilisés peu à peu, et c'est aussi notre travail de bibliothécaire ou médiateur du livre de sensibiliser tous les acteurs de la chaîne du livre. Donc libraires, éditeurs, auteurs, et je crois qu'il faut en parler de plus en plus, et plus on parlera du facile à lire, plus ils vont être convaincus que ce n'est pas juste quelques livres pour une minorité de gens, mais qu'il y a une vraie demande dans la population, quoi. Moi, je pense que les éditeurs peuvent bouger. Déjà, on a, je ne sais pas comment ça marche pour le prix chez vous, mais on a senti une grosse différence entre les différentes éditions du prix, la manière dont les éditeurs recevaient la demande. Et au début, ils n'étaient pas contents du tout qu'on ait choisi leur livre pour le facile à lire. Hein, ils voyaient ça comme très péjoratif. Alors que là, troisième édition, ils sont contents et… Voilà, parce qu'ils ont compris que ça allait mettre en valeur leur collection pour finalement quand même pas mal de monde, puisque les bibliothèques, derrière, il y a quand même pas mal de lecteurs. Enfin. Donc, avec la traversée, on était donc sur le niveau 2, qui est le niveau qui concerne les adultes débutants en lecture. Ensuite, on a le niveau 3, qui est le niveau 2 un peu plus compliqué, hein, avec des livres un tout petit peu plus longs. On est alors là pour des gens qui lisent bien, enfin qui lisent techniquement parlant, mais qui se fatiguent vite ou alors qui n'ont pas lu depuis longtemps et qui veulent quand même des choses rapides à lire avec des structures simples. Donc, j'ai pris deux exemples. Je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi, qui est un récit romancé, on va dire, mais enfin un peu autobiographique, qui fait une soixantaine de pages, donc vraiment très très court, mais un très beau texte sur la relation d'un monsieur avec son père algérien. Et puis à gauche, un portrait d'une très belle collection qui s'appelle « Une vie, une voix » aux ateliers Henri Dougier. Donc, on a un des titres de la collection. Là, je vous ai mis « La mère, la pipe » dans son bistrot. Donc, c'est une collection qui présente une personne et à travers elle, un corps de métier, en fait. Donc, cette dame, elle existe, la mère, la pipe. Elle est tenancière de bistrot au Mans depuis des décennies et c'est un personnage de la ville. Voilà, donc après il y a d'autres volumes sur Lulu, fille de marin, ou bien Mireille, ouvrière de la chaussure. Donc à chaque fois, ça donne une perspective de discussion du travail, et ça plaît à un certain public aussi, parce que pour les gens qui aiment mettre dans le concret, voilà, parler du travail, c'est quelque chose d'important. En parallèle du facile à lire, moi je conseille de développer le facile à écouter, c'est-à-dire la notion d'appliquer les mêmes critères aux livres audio qu'aux livres, et donc d'avoir une sélection de livres audio, donc courts bien sûr, et toujours pareil avec du vocabulaire adapté, et également le facile à lire en numérique. Donc du coup, dans l'espace, adapter de quoi s'asseoir, de quoi s'installer sur place, et puis auteur pour faire la même démarche que de feuilleter un livre pour écouter peut-être le début d'un livre audio, avoir une consultation avec un certain nombre d'applications qui vont être proposées. Donc, j'en arrive à une autre partie qui est la mise en espace, donc des exemples de mobilier. Donc, je vais vous présenter des types de mobilier, puisqu'un grand éventail de choses qui ont été réalisées. Donc, à gauche, on est sur une toute petite entreprise, la Volumerie, qui a réalisé plusieurs modules pour des bibliothèques. Et l'intérêt, c'est qu'ils s'adaptent vraiment aux souhaits et au budget de la bibliothèque, à la dimension. Donc, par exemple, le module de gauche, c'est un module proposé pour une communauté de communes en Ille-et-Vilaine, chez nous. Et donc, toutes les bibliothèques du réseau
veulent un mobilier un peu identique, mais propre, adaptable. Et donc, du coup, la volumerie a décliné ce présentoir que vous voyez en trois modèles qui prennent plus ou moins de place. Il y en a un qui est mural, il y en a un qui, voilà, celui-là, il est double face, et il y en a encore un troisième. Donc, il y aura une certaine unité, mais en même temps, chaque bibliothèque va choisir ce qui lui convient le mieux. Il y a l'idée de faire travailler des chantiers d'insertion, des personnes qui sont en insertion, qui travaillent le bois, donc un chantier de menuiserie. Il y a une commune aussi qui a fait travailler les jeunes d'un IM pro, donc voilà, qui travailleront plus tard dans le bois. Et donc, c'est intéressant de se dire que pour que les gens s'intéressent au contenu, ils peuvent travailler dedans, et donc de leur faire réaliser le mobilier. À gauche, on est sur la bibliothèque départementale de l'Oise, qui donc avec un module très sympa, qui prend pas trop de place au sol, qui est très coloré. Et toujours bibliothèque départementale à droite, on est sur du carton dans l'Indre-et-Loire. Et là, ils ont pris soit du coup d'un prix très raisonnable pour pouvoir déployer vraiment sur tout le réseau. Alors, les espaces faciles à lire se déploient aussi hors les murs. Donc, deux exemples. À gauche, vous avez sur Landerneau un kiosque qui a été disposé à la Maison pour tous. Donc, c'est du carton recyclé aussi. Donc, c'est un petit choix. Bon, là, les livres n'étaient pas encore mis en place. C'est un petit choix de livres qui ensuite invite les gens à revenir à la médiathèque où il y a un espace facile à lire un peu plus important. Et il y a aussi des boîtes avec les livres du prix, à l'épicerie sociale, à la maison des familles. Donc, il y a plusieurs lieux dans la ville qui accueillent des livres. Et ça, c'est important. C'est cette idée de, comme ça sera toujours dur pour les gens de pousser la porte de la bibliothèque, on va plutôt mettre des livres là où ils passent. Et là où il passe, ça peut être aussi, donc photo de droite, la salle. Donc là, on est sur une petite commune et les deux kinés de la ville ont un petit meuble facile à lire avec un choix de livres. Et on a au moins un témoignage concret d'un monsieur qui a ramené un des livres à la bibliothèque en disant, j'ai pris ce bouquin parce que mon kiné avait du retard un jour, et puis j'ai emmené chez moi pour le finir, et puis je voulais vous le ramener pour vous dire que c'est une super idée parce que je n'avais pas lu depuis des années, et là je me suis pris au jeu, quoi, et j'ai fini le bouquin. Donc voilà, le hors les murs, c'est une notion importante. Bon, à réfléchir avec les élus, puisqu'il faut les autorisations pour mettre les livres comme ça, sans protection anti-vol, mais il faut passer outre ce type de règlement. Voilà, l'enjeu faire ça. Sachez que dans les établissements pénitentiaires aussi, le facile à lire se développe beaucoup. Dans les Pays de Loire, c'est pris en charge par la Ligue de l'enseignement, avec ce module kiosque qui est gigogne, en fait, qui se replie et qui peut se déplacer d'un établissement à l'autre. Et puis, en Bretagne, il y a eu là ces arbres à livres à Saint-Brieuc, réalisés par les personnes détenues elles-mêmes, toujours cette faire les mobiliers pour s'intéresser à ce qu'il y a dedans. Et en Bretagne, donc, ça donne lieu à un vaste projet qui s'appelle Quartier Livre, qui, au-delà du facile à lire, la notion d'apporter le livre dans les prisons. Alors, j'ai regardé un petit peu, quelques exemples que vous avez sur la Normandie. Là, on est dans l'Orne, donc la médiathèque du Pays du Camembert, Vimoutier. Donc là, on a un espace facile à lire, et les gens qui sont contents de le présenter. Argentan dans l'Orne. Voilà. Alors, on est à Caen-la-Mer. Donc là, on est dans le hall de la bibliothèque Alexis de Tocqueville, donc en plein centre-ville.
Donc, Ludovic en parlera, mais je pense que c'est un espace qui fonctionne bien, qui surprend les gens, parce que dans le hall, normalement, il n'y a pas de collection de livres. Il y a la presse, il y a l'accès à la cafétéria et d'autres choses, mais il n'y a pas forcément de collection empruntée. Il faut monter les escaliers. Et donc là, bah, c'est en prise avec la ville. Hein, vraiment, on rentre, on s'installe. On peut lire un petit peu, on n'est pas obligé de monter dans les étages où il y a davantage de choix. Donc, c'est, voilà, c'est une première sélection qui est très attractive. Toujours dans le réseau de Quand la mer, la médiathèque de Colombelles. Je ne sais pas où ils en sont maintenant, mais je sais qu'ils étaient partis très fortement sur lire. En tout cas, ce sont les bibliothèques qui participent au prix Facile à lire Quand la mer. Neuchâtel-en-Bray aussi. Alors, j'en oublie peut-être, hein, si parmi vous, il y a des bibliothécaires qui ont des espaces faciles à lire que je ne montre pas. Bah, c'est juste que je n'ai pas l'info, donc n'hésitez pas à m'envoyer les infos. J'essaye de tenir à jour un petit blog aussi, justement, pour parler bah, de ce qui se fait sur les territoires. Donc, vous pouvez m'envoyer des choses. Donc, une fois qu'on a son espace et ses livres, bah, ça ne fait que commencer, on n'a pas fini le travail, puisque tout ce qu'il y a à faire d'important, ça va être bien sûr les médiations. Et pour faire des médiations, il faut des... Il n'y a pas de... Parce que, voilà, vous avez beau mettre des infos dans le journal municipal, dans Ouest-France... Il faut vraiment qu'à un moment donné, il y ait un partenaire, animateur, formateur qui amène un groupe ou une personne, mais vraiment en prenant presque les gens par la main, voilà, pour que la rencontre se fasse. Alors, un exemple, je ne vais pas en donner trop, on développera dans l'atelier de cet après-midi pour ceux qui seront avec moi les médiations, mais voilà un exemple. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré un Leporello, un livre très visuel sur les éléphants peints de Jaipur. Eh bien, dans ce cadre-là, ce qui a été fait avec les habitants, ce sont d'autres Leporello. Donc là, on est au niveau de réalisation d'art plastique, qui ont donc des livres accordéons qui ont été faits avec, vous voyez, plein de gens, finalement, plein de partenaires. Alors, je ne sais plus si chacun... Je crois qu'ils ont réalisé plusieurs planches et qu'après, ça a été réuni. Du coup, tous les partenaires s'y sont mis. Donc, il y a des apprenants en français, la maison des familles, le centre de loisirs, ATD Carmonde, l'épicerie sociale. Enfin, voilà, tout le monde vraiment a participé à ce travail. Et donc, il y a une production de Leporello qui a été présentée comme une exposition, en fait. Donc, ça, c'est un exemple de choses... intéressante et qui montre aux gens aussi que on part du livre, mais on n'est pas que sur du culturel, enfin de l'intello, puisque on arrive aussi à des réalisations d'art plastique. Voilà, donc le facile à lire a quitté les frontières de Bretagne et maintenant il y a un déploiement. Sachez qu'il y a un comité de pilotage qui est coordonné par le ministère de la Culture avec donc l'ANLCI, l'ABF, la FIL, donc, qui fédère toutes les agences régionales, Normandie, Livre et Lecture et d'autres comme ça. Et puis Livre et Lecture en Bretagne, bon, qui est dans le comité de pilotage parce que historiquement, voilà, ils étaient là avant et puis qu'ils apportent leur ancienneté, leur expertise. Donc, vous avez sur le site du ministère de la Culture, à la page du Facile à lire, cette carte qui pose les balises des espaces présents actuellement en France. Donc, à chaque fois qu'une bibliothèque veut obtenir le logo, elle remplit un petit dossier. Je vous invite vraiment à le faire si vous avez un projet. Vous remplissez le dossier. Vous expliquez ben voilà, ce que vous mettez en place et avec quel partenaire, etc. Et ensuite, vous verrez apparaître la balise sur votre commune. Ce qui est bien, c'est que ça dépasse la métropole, puisque à Mayotte,
Il y a un gros travail qui est fait autour du facile à lire parce qu'il y a un taux d'illettrisme qui est absolument gigantesque. Donc là, il y a vraiment, vraiment du travail à faire. Bon, il faut expliquer aussi que à Mayotte, la langue française n'est pas la langue maternelle, hein. Il y a deux autres langues. Donc, c'est assez compliqué puisque la production de livres est essentiellement en français. Et la Guadeloupe aussi, qui commence là, tout juste, un travail autour du facile à lire. Donc, ça, c'est chouette que ça arrive aussi dans les départements d'outre-mer. Dans la dynamique, il y a donc des prix qui ont été mis en dehors de Caen et de la Bretagne. Il y a aussi un prix qui vient d'apparaître à Lille pour le réseau des bibliothèques de Lille. Donc, le prix, ça crée un événementiel, comme je disais tout à l'heure. Ça permet de vraiment garder dans le temps la dynamique de l'aide. On pourrait penser que sinon, ça retomberait un petit peu comme un soufflet. Ça permet de mobiliser les partenaires parce que c'est beaucoup plus facile d'aller les trouver en disant bah voilà, pendant 6 mois, on va mener un prix autour d'une sélection de 6 livres ou 8 livres et on invitera les auteurs. Donc, ça, c'est concret, c'est resserré dans le temps, donc ça mobilise bien les partenaires. Ça valorise bien sûr les gens qui vont y participer. Donc, là, on a plein d'exemples de personnes qui ont vraiment, hein, mais qui sont revenues dans les bibliothèques et qui désormais sont des lecteurs grâce à cette première rencontre qui a été faite à partir du prix. Et puis, ça pousse les professionnels à faire des médiations. Donc, au début, c'est pas simple faire ça pour des publics adultes et en plus en difficulté. Pour beaucoup de collègues, c'est difficile et je le comprends aussi. Mais ça vient, voilà, ça vient au fil du temps et on fait et plus on est à l'aise et plus on se rend compte que on est au cœur du métier quand on fait ça. Ça, c'est un retour que j'ai de jeunes collègues qui m'ont dit là vraiment, j'ai l'impression d'être au cœur de mon métier. Donc ça, c'est super encourageant. Voilà, donc voilà l'exemple de la de 2021, alors qui se fait dans des conditions difficiles, bien sûr, mais ça se fait quand même. Les bibliothèques développent plein de choses à distance. Il y a plein de choses qui ont été faites. Donc, au niveau financement, il y a la DRAC, il y a les départements, la SOFIA qui aide pour le déplacement des auteurs. Et là, vous avez la sélection de Caen la Mer, avec d'excellents livres aussi, dont un livre de la traversée, un Petite Poche, un de la collection des graines et des guides, donc plusieurs choses que je présentais tout à l'heure. Voilà, Lille, je n'avais pas encore la sélection. Alors maintenant, une fois qu'on a fait son espace facile à lire, ben il y a toute la... Ça invite à revisiter les politiques de l'établissement, finalement. C'est-à-dire que ce qui va de pair, à mon avis, avec le facile à lire, c'est le facile à lire et à comprendre. Donc là, c'est une méthode pour que la communication écrite soit accessible à tous. Donc, il y a des règles très précises pour ce savoir simplifié. Donc, c'est pas mal d'adopter ça aussi. Il y a le développement d'espace, alors qu'on peut appeler Bibliodis ou lire et apprendre autrement, enfin il y a plein d'appellations, mais cette notion de ce qu'on peut développer pour les enfants avec des éditions adaptées. Il y a le fait de rendre les rendez-vous culturels accessibles aussi, parce qu'à un moment donné, une fois qu'on a accroché les gens avec le facile à lire, ben, on peut les inviter à venir à un concert, à venir à... je ne sais pas, enfin, quand les spectacles vont reprendre dans les bibliothèques, on peut inviter les gens à participer à l'ensemble des manifestations de la bibliothèque. Alors, les perspectives que nous avons, bah, donc, c'est de continuer à soutenir ce facile à les pays francophones en général. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je trouve important. La Suisse, déjà,
On voit le logo là-bas en haut à droite, Bibliomédia, qui est un peu l'équivalent d'une bibliothèque départementale, développe fortement le facile à lire en Suisse. Mais voilà, je sais que la Belgique souhaiterait aussi, peut-être que le Canada, on a quelques contacts avec le Canada, enfin, ça pourrait devenir quelque chose de, qui prenne de l'ampleur. Ce qui me paraît important, c'est d'intégrer aussi le facile à lire dans un schéma global d'accessibilité par territoire. Alors, les schémas d'accessibilité, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'existe qu'en Bretagne pour l'instant. Encore une fois, on a une spécificité. Mais voilà, je vois pas pourquoi. J'en parlais mardi en formation, là en Normandie. Je pense qu'en Normandie, ça pourrait se faire de la même façon. C'est l'idée de rédiger un document actuel qui permet d'inscrire des objectifs et des étapes de mise en œuvre pour l'accessibilité globale d'un réseau. Donc ça me paraît quelque chose de bien. Et puis, ce que j'ai déjà dit, donc faire entrer les acteurs de la chaîne du livre dans cette dynamique, donc de faire bouger aussi les éditeurs et les libraires, et puis les écrivains, mais les écrivains, je pense que c'est plus simple. Donc, en conclusion, je pense que le facile à lire est une démarche inclusive. Donc, comme je répète une dernière fois, parce que ça met les projecteurs sur une typologie de documents et non pas sur les publics en difficulté, parce qu'on est sur de l'édition courante, on n'est pas sur des éditions adaptées et toutes les problèmes de l'exception handicap, etc. Et puis, parce que on se rend compte, là, on en est sûr, hein, depuis 5 ans que ça existe, que tout le monde se sert dans les espaces faciles à lire. Donc, c'est pas discriminant et tant mieux, parce que c'est comme ça que le bouche à oreille fonctionne et que les, entre guillemets, bons lecteurs, usagers fidèles de la bibliothèque, à partir du moment où ils connaissent le facile à lire, ils vont s'en faire les ambassadeurs, ils vont en parler autour d'eux. Et c'est comme ça que l'information arrive aux personnes plus isolées dans la ville. Donc, et ça fonctionne, ça je peux vous le garantir. Alors, ça fonctionne si on joue vraiment le jeu et si on l'utilise vraiment comme un outil. Pas si, bien sûr, on fait son petit espace facile à lire parce que c'est un peu tendance et qu'on en parle dans les vrais hebdos. Mais si on l'utilise vraiment comme un outil, je pense que ça fait bouger les lignes professionnelles, ça fait reconsidérer aussi le métier et ça, c'est quelque chose d'important. Je m'arrête. Alors, voilà. Ça va le timing, Alexandra? Très bien, Françoise. Eh bien, écoutez, je suis à votre disposition. S'il y a des réactions, des oppositions, des questions, n'hésitez pas. C'est pas parce qu'on est à distance que ça ne doit pas être interactif. Je vous ai tous endormis. Ourdia, vas-y. Faut remettre votre micro. Ouais, c'est bon? Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui, c'est bon. Oui, donc moi je ne suis pas bibliothécaire de formation d'origine. Donc j'ai un parcours un peu différent. J'ai fait d'autres secteurs patrimonial, dans d'autres domaines, archives. La question que je me posais, c'est la question de la formation des bibliothécaires initiale, parce que je me demandais si finalement il n'y a pas une sorte de formatage entre guillemets. On a tendance quand même à favoriser les livres au contenu entre guillemets intellectuel, culturel, intéressant, etc. Et ça stigmatise dès le départ. Et je dis ça, je donne un exemple concret, donc la bibliothèque du quartier où je travaille, on a parfois des dons de livres, il y a beaucoup de livres, Sylvie Vartan, voilà, tu sais, des stars des années 70, et c'est vrai que quand on est bibliothécaire, on voit ces livres-là, bah, nous on se dit, c'est pas des livres qu'on va proposer à la bibliothèque, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour nous, c'est des livres stigmatisés tout de suite, finalement, le livre. Sur le titre, un livre sur un chanteur, Johnny, je ne sais pas, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je parlais de la formation, cette sensibilité, comment former les bibliothécaires aussi, dès le départ, en fait. Parce qu'après, comment dans leur quotidien,
dans leur travail de partenariat, etc. Comment s'ouvrir vraiment à des univers qui ne sont pas des leurs, en fait. D'accord. Si je suis assez claire. Donc, vous voulez dire que les collections reflètent un peu les, la formation des bibliothécaires, ça c'est clair. Donc déjà, beaucoup de bibliothécaires sont issus d'études de sciences humaines et pas déjà de monde scientifique. Donc déjà, là, je pense qu'il y a une grosse carence ou de formation technique et je pense qu'effectivement, il y a déjà cet aspect-là qui fait peut-être qu'il y a une majorité de femmes qui utilisent la bibliothèque par rapport aux hommes déjà. C'est une vraie question. Hein. Et puis, effectivement, après, peut-être une non. Ce que voulait dire par les chanteurs, là, c'est une non-reconnaissance de cette culture populaire. Exactement. Voilà. Ouais. Souvent, qui est un peu discriminée. Ah oui, bah. Bon. Le contenu de la formation. Mais finalement, si les gens, les bibliothécaires, prenaient le temps de la réflexion, on peut se dire, alors, vous avez Marilyn Monroe derrière moi, je ne sais pas si tout le monde la voit, c'est un panneau, ben, c'est quelqu'un qui était aussi une culture populaire, qui a eu une vie extrêmement fragile. Il y a des livres passionnants qui ont été écrits sur la vie de Marilyn Monroe, la vie de Sylvie Vartan, la vie de je ne sais pas qui, etc. D'où viennent ces gens-là? C'est des gens qui ont eu aussi des parcours fragilisants, qui ont eu des biographies. Donc, peut-être qu'il y a moyen aussi, quand je disais tout à l'heure, de partir d'où les gens ils sont, c'est ça. Bien sûr. C'est-à-dire que finalement, c'est à nous de nous adapter et pas le contraire. Et je pense que la difficulté, elle est souvent là, c'est qu'il faut partir d'où les gens ils sont. Et, bien sûr, oui. Leur univers à eux. Parce que leur univers, il est là, il n'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand les gens arrivent dans la bibliothèque, il faut qu'il y ait des choses qui fassent appel. Oui. Si rien ne fait appel à leur propre univers, effectivement, c'est difficile. Et en même temps, on ne doit pas tomber dans la démagogie de faire l'espace livre de Carrefour hein, ou de l'espace culturel de Leclerc. Donc, il faut être vraiment dans l'entre-deux. Du facile à lire, effectivement, c'est un outil qui est sur mesure de ce point de vue-là, qui est beaucoup entre les deux. C'est ça qui est intéressant. Alors, dans le tout début, on avait mis du roman photo, un petit peu en provocation, parce qu'on sait qu'historiquement, le roman photo, c'était un gros débat dans les bibliothèques. Ah, surtout pas de roman photo, enfin, moi, j'ai connu ça. Surtout pas de roman photo, c'est un sous-genre, enfin, c'est pas. C'est surtout pas en bibliothèque. Enfin, on a en France une culture très élitiste des bibliothèques par rapport à ces pays d'Europe du Nord qui. Et c'est toute la différence. C'est pour ça qu'en Suède, il y a 80% de la population qui fréquente la bibliothèque et nous, 18-20% au grand maximum. Donc, c'est en train de changer, mais ça met du temps. On est sur. Pendant. Quand on a voulu constituer des collections encyclopédiques de bon niveau, soutenir l'édition, donc ça c'est bien aussi. Mais à un moment donné, si on achète le livre juste pour soutenir l'édition, mais que le livre ne sort jamais, il faut se poser des questions, quoi. Donc, depuis quand même quelques décennies, on est sur des bibliothèques, troisième lieu. On a beaucoup évolué, mais par contre, les gens qui ne viennent pas n'ont pas cette vision nouvelle des bibliothèques. Donc, eux sont restés sur la bibliothèque un peu poussiéreuse, un peu intimidante, avec des règlements. Et il faut réussir à faire savoir que bah, c'est plus du tout ça, les bibliothèques. Enfin, parfois. Il peut rester un peu de poussière. Mais il y a encore des combats à mener, mais je pense que justement, là, ça interpelle beaucoup. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais le facile à lire nous interpelle sur nos pratiques professionnelles, sur toutes les dimensions. Pourquoi en classe ? Pardon. Voilà, par exemple, pourquoi en classe ? Au début, mais les collègues ont ouvert des yeux ahuris quand on a dit « mais dans cet espace, on ne classera pas. Donc, ne mettez pas de cote. » « Oh, mais quoi ? Ne pas mettre de cote ?» Mais bah, c'était
la révolution, quoi. On avait Fabienne Dumont qui désirait s'exprimer aussi. Oui. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Du coup, je voulais déjà vous remercier rapidement pour la mise en ligne, parce que moi, je suis de Lyon et je ne pense pas que j'aurais pu faire le déplacement sans cette opportunité pour moi. Du coup, ce n'était pas ma question initiale, mais je rebondis sur l'intervention d'Ourdia. Je trouve qu'en effet, c'est super important de se mettre un petit peu sur une co-construction en fait de ces espaces-là. Le participatif, il est hyper important, moi, à mon avis. Alors, c'est très tendance en ce moment et on essaye de le développer, on tâtonne un peu. Mais je trouve que, moi, à mon avis, c'est vraiment une voie à emprunter. Et ça m'a fait penser aussi à tout ce qui était bibliothèque vivante aussi, actuellement, qui est un peu mis en place et qui est un peu en vogue, à savoir prendre les gens comme ils sont et pas forcément passer par le biais de l'écrit sur un premier niveau, puis un effet qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc, la bibliothèque vivante, si tout le monde ne sait pas, c'est aménager des petits entretiens avec des gens, des vraies personnes qui vont nous parler d'un sujet. Je trouve que c'est assez intéressant. Alors après, ça ne remplace pas l'écrit. Mais bon, voilà. Et puis, juste ma question initiale aussi, c'était par rapport au schéma global d'accessibilité. Parce que moi, je trouve ça très intéressant de prendre un petit peu de hauteur. Et sur Lyon, on n'a pas ça. Et du coup, si vous pouviez m'en dire un petit peu plus, ou me réorienter vers des documents qui me permettraient de connaître un petit peu plus ce dispositif. Ben, écoutez, moi, je pensais que c'était quelque chose de national. Et puis, j'ai découvert que non, il n'y a qu'en Bretagne qu'on avait ça. Donc, en fait, c'est mis en place dans une communauté de communes et c'est l'idée donc de rédiger un plan d'action sur l'activité des bibliothèques du réseau, donc en déclinant bien les objectifs et ensuite les différentes étapes de la mise en œuvre. Y a un bon exemple de schéma, c'est à Quimperlé. Donc, le réseau de bibliothèques qui s'appelle Matinlin, vous pouvez voir des choses en ligne si vous voulez. Donc, ils ont inscrit, c'est bien fait parce qu'il y a les objectifs. Bon, après, la mise en œuvre, évidemment, est toujours plus compliquée. Mais dans la mise en œuvre, il y a la formation des équipes, il y a les services à mettre en place, les matériels à acquérir, les collections, etc. Et avec un calendrier, parce que bien sûr, tout est en même temps. Mais l'idée, c'est que comme ils devaient construire des nouvelles bibliothèques dans ce réseau, ils se sont dit, maintenant, toute nouvelle bibliothèque du réseau suit forcément les normes d'accessibilité et va avoir une démarche d'ensemble en intégrant l'accessibilité. Ce qui n'est pas forcément plus cher quand c'est pensé en amont. Et c'est l'accessibilité dans tous les sens. Donc, c'est physique du bâtiment. Si je prends la bibliothèque de Mélac, par exemple, petite bibliothèque, petite commune rurale, moi, elle m'a scotchée complètement quand j'y suis allée parce que porte vitrée qui s'ouvre automatiquement, signalétique par pictogramme, des postes de consultation électrique, vous voyez, qu'on peut lever, baisser, etc. Enfin, il y a comme ça qui ont été pensés dès le début, en fait. Et donc, si on y pense dès le début, c'est plus simple. Après, les choses plus spécifiques, c'est l'idée de se répartir les compétences. Qui va plus développer un fonds pour les sourds? Qui va se former à la langue des signes, qui va avoir plus des logiciels pour les non-voyants, etc. Donc, c'est penser en réseau et avec l'approbation des élus, puisque c'est ça qui est intéressant dans le schéma d'accessibilité, c'est que c'est signé par des élus. Oui, c'est vraiment hyper intéressant, en fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop cette culture-là de réseau.
enfin moi à mon niveau en tout cas, parce que je travaille dans un service de proximité au bibliobus, et d'avoir cette vue un petit peu de complémentarité. En effet, on ne peut pas tout faire tout seul, et sur des répartitions de spécificités un petit peu, en pensant des publics mobiles en fait, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Mais c'est peut-être parce qu'on a beaucoup de réseaux aussi en Bretagne, je sais pas, il y a beaucoup de com-com. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'appeler Quimperlé? Quimperlé. Quimperlé. Ouais. Ok. Comme Quimper, mais les. Oui, merci. Merci beaucoup. On avait également Ludovic Charrier qui souhaitait s'exprimer. Oui, là, c'était pour un retour sur les collections. Donc, je voulais, c'est un témoignage à remercier Françoise et pour tout ce travail de sélection bibliographique, qui est vraiment un outil précieux au démarrage ou lancement des espaces faciles à lire, parce qu'il y a quand même déjà tellement d'autres choses à imaginer en termes de partenariat, en termes de médiation, que vraiment s'appuyer sur ces sélections, c'est vraiment très précieux. Et par rapport à ça, je voulais savoir, parce que j'ai pas pu y participer, ce qu'avait donné le comité de lecture il y a une quinzaine de jours, si je ne m'abuse. Oui, donc tu parles du comité francophone, enfin que j'ai intitulé. Bon, c'est une initiative un peu personnelle. C'était l'idée de voir un petit peu si les collègues des différentes régions avaient des souhaits de travailler ensemble. Il me semblait qu'il y en avait. Et puis je voulais surtout, j'avais eu ce contact avec Mayotte et la Guadeloupe. L'idée de se dire, mais ils doivent se sentir drôlement isolés, quoi. Ça serait quand même bien de faire, à un moment donné, une réunion avec eux. Donc, du coup, alors comme il y a le décalage horaire, ça veut dire que vous ne faites pas le truc le matin, quoi. Donc, c'est déjà tout bête, mais c'est se dire, on le fait l'après-midi pour ouvrir aux collègues d'outre-mer. Donc, je l'ai fait vraiment en forme de test, hein. J'espère que le ministère va reprendre ça ou le comité de pilotage, parce que c'est en tout cas c'était très sympa. Il y avait des collègues donc d'outre-mer, des collègues de différentes régions. Il y avait même une documentaliste qui travaille en étroite collaboration avec une bibliothèque municipale sur le facile à lire, puis qui a sa petite collection facile à lire. Donc chacun a présenté, c'était un peu le but, hein, c'était à la fois où ils en sont dans le facile à lire, et puis présenter un livre concrètement. Voilà, donc déjà ça c'était chouette. Et puis à la fin c'était un peu qu'est-ce que vous attendriez d'une coopération nationale. Donc évidemment il y a un fort souhait d'outils collaboratifs, de ressources partagées sur les intervenants, sur les médiations. Donc voilà, moi après je vais faire suivre. Sandrine Carrie. Oui, bonjour. C'est pour rebondir sur ce que François Sarnowski vient de dire. En fait, j'avais une question sur le comité de lecture. Moi, je travaille à la bibliothèque départementale de Lyon. Vous étiez venue, Madame Sarnowski, en 2017 faire une formation. Et donc, à la suite de votre venue, on a constitué deux valises faciles à lire que l'on prête aux bibliothèques du réseau. Avec des meubles en carton qui ont été réalisés par une personne de Lyon qui fait des meubles. D'accord. Et, donc ça a été l'occasion d'un stage pour former tout le monde à cette technique, enfin toutes les personnes qui ont pu venir. Et on a le projet en septembre avec une collègue de proposer la constitution d'un comité de lecture pour proposer des ouvrages faciles à lire, parce que c'est vrai que à deux, enfin pour la bibliothèque départementale, on est deux à travailler sur ce sujet, c'est un petit peu compliqué de faire les choix de livres, et donc on avait vu votre la proposition de réunion de comité de lecture que vous avez faite, mais apparemment c'était réservé à 12 personnes, donc on s'est dit qu'on avait peu de chance. Voilà. Mais si on
voilà, on est à la recherche d'outils comme ça, de collaboratifs, en tout cas pour de listes de d'ouvrages en facile à lire, parce qu'il y a il y a ce que vous publiez tous les ans avec Livres et Lectures en Bretagne, les bibliopasses plutôt. Mais voilà, je pense que partout en France, il y a des espaces et des bibliothécaires qui travaillent sur ce sujet, et ça serait vraiment profitable à tous, en fait, de pouvoir centraliser en fait les listes de documents que l'on propose. Et chacun pourrait piocher en fait dans ces listes. Ça faciliterait en tout cas le travail. Alors, moi, ce que je conseille de toute façon, c'est de faire un comité de lecture départemental d'abord. C'est ce Parce qu'on que va là, faire. C'est des collègues qui se connaissent et vous pouvez vous rencontrer physiquement. Mmh. Après, le comité là, national, bon, à mon avis, il serait plus ponctuel et du coup aussi, il serait fait à distance forcément. Mais ce que je conseille, c'est que là, vous n'êtes que deux, c'est dommage parce qu'après, il faut ouvrir au réseau et voir si dans le réseau, il n'y a pas des collègues qui pourraient se joindre à ça. Bah, toutes les BDP font des comités ados ou comités de lecture jeunesse ou ados, enfin très souvent. Bah, là, c'est la même chose, mais en faisant facile à lire. Et du coup, vous faites quelques réunions. Enfin, après, si vous voulez, on pourra se recontacter pour voir les modalités techniques, mais c'est juste une réunion par trimestre. Et ça rebooste vraiment les collègues qui autrement seraient isolés chacun dans leur bib. Donc là, chacun amène ses pépites, hein, les trouvailles de livres, voilà. Et puis, il y a les propositions du libraire en plus. Donc, ça donne quelque chose de très riche. En général, c'est passionnant parce que sur une séance… Mais je trouve que c'est bien sur un territoire, sur le territoire du département, quoi. C'est ce qu'on vous souhaitait faire au départ, en fait. C'était vraiment, proposer aux bibliothèques du réseau départemental, aux personnes, aux bibliothécaires qui souhaitaient faire partie de ce comité de lecture pour mettre en commun. Mais voilà, ensuite, c'était dans une deuxième étape, peut-être, déjà au niveau départemental, et ensuite, c'était trouver la façon de mettre en place quelque chose de plus large, quoi. Voilà. Merci. Séverine Alazard. Oui, j'ai trouvé l'idée du prix littéraire facile à lire extrêmement intéressante. Et vous avez parlé d'autres médiations possibles. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples de ces médiations? Parce que moi, je ne suis pas inscrite pour l'atelier de cet après-midi sur cette thématique. Je suis inscrite sur celle des collections. Donc, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de médiations possibles? Bah, une médiation, c'est quoi d'abord pour vous? En fait, la médiation, pour moi, c'est donc vous accueillez un groupe qui est amené par un partenaire et vous faites une séance à partir d'un ou de plusieurs livres. C'est-à-dire que le livre est vraiment un support de départ. Le but n'étant pas que les gens aient tout lu, tout compris, mais le but, c'est vraiment de créer le prétexte à la rencontre, justement, et à l'interaction, et essayer de faire s'exprimer les gens, soit les idées qu'ils ont par rapport au thème, soit faire revenir des souvenirs, etc. Donc après, il y a des livres qui se prêtent plus à ça que d'autres. Donc celui que j'ai montré là sur les éléphants, il a donné lieu à beaucoup de médiation parce que on peut parler de cette fête de l'Inde, cette fête du printemps en Inde. On peut parler de des couleurs, des couleurs et des tissus en Inde. On peut parler de l'éléphant, le dieu Ganesh. En fait, les textes qui sont au verso de ces photos sont déjà des outils qui peuvent aider les bibliothécaires à mener une médiation. Donc, médiation, c'est ça, c'est présenter un livre, puis du coup. En parler avec les gens, mais ça peut aller jusqu'à ce que je vous montrais, c'est-à-dire la réalisation d'un autre livre du même type. Donc ça peut prendre beaucoup de formes, la médiation. Ça peut être juste une séance et on parle. Derrière, il peut y avoir un atelier d'expression, un atelier d'art plastique, plein de choses. Enfin, ça dépend du livre. Merci.
Je pense que Ludovic a peut-être aussi une définition de médiation, puisque vous en faites énormément aussi autour du prix. Ce n'était pas tant une définition de la médiation, c'était pour rebondir à ce que tu viens de dire par rapport au livre sur les éléphants, je vais y arriver. Parce qu'en fait, du coup, on l'avait aussi mis dans notre premier prix. Et donc, il y a eu une séance de présentation à une association qui regroupe des personnes atteintes de troubles psychiques. Donc, une présentation du livre de manière générale sur effectivement ce que venait de dire Françoise, sur la symbolique, la fête de la Holi, etc. Et après, il y a des choses qui nous échappent parce qu'au sein de cette association, il y avait aussi une personne qui faisait du bénévolat et qui est enseignante par ailleurs en art plastique. Et du coup, ils se sont emparés de cette thématique-là pour faire des choses à partir… Enfin, ils ont fait des tableaux qui nous ont mis à disposition dans la bibliothèque qu'on a pu présenter à quelques moments autour des éléphants, en fait. Donc, voilà, ça peut prendre effectivement plein de formes. Et nous, par exemple, il y a des séances de présentation dans les bibliothèques de un ou plusieurs livres qui donnent lieu à des échanges, des débats. Après, selon le niveau de lecture et de compréhension ou de pratique de la langue française, tout simplement. Ça peut être aussi la lecture ensemble, la découverte ensemble des livres, vraiment la lecture des livres sur plusieurs séances. Ça dépend aussi de la régularité, de la récurrence de la fréquentation de la bibliothèque par les groupes en question. C'est vraiment très hétérogène selon le type de public aussi auquel on s'adresse, qui peut être très large, comme l'a souligné François dans son intervention. Merci Ludovic. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir, poser une question, apporter un témoignage? Alors, petite précision, les ateliers de cet après-midi seront enregistrés. Donc, voilà, comme ça, pas de regrets. Si vous êtes dans un atelier, mais que vous auriez bien aimé voir les autres, tout sera disponible la semaine prochaine sur le site de Normandie Livre et sur le site de la médiathèque départementale. Voilà. Ah, Gisèle. Alors ça me fait sourire parce qu'en fait, je m'appelle pas Gisèle, je m'appelle Nadège, mais c'est juste que j'ai un PC qui n'est pas le mien et du coup, voilà. Donc en fait, moi, je levais la main juste par rapport aux ateliers cet après-midi. Est-ce que c'est le même lien qui permet d'y accéder que celui de ce matin? Alors non, normalement, par mail, vous avez reçu un lien en fait qui correspond à l'atelier dans lequel vous êtes inscrite. Oui, et j'ai eu un souci en fait avec mes mails. Donc ce matin, j'ai dû appeler le standard qui m'ont renvoyé le lien pour assister à la formation de ce matin. Est-ce qu'il serait possible du coup d'avoir le lien pour cet après-midi? Oui. Alors du coup, je reprends juste votre nom. Oui. Mettez-moi votre nom dans le chat, sinon ça va être plus simple. Voire même votre adresse mail, si ça ne vous embête pas que tout le monde la voit. Bon, ça va, ça n'embête pas. Sinon, je vais la retrouver, hein, pas de souci. Alors, après, c'était Aurélie. Merci. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Moi, je travaille à la bibliothèque Oscar Niemeyer au Havre. On est deux avec ma collègue Camille qui participe aussi à la formation ce matin. On a beaucoup plusieurs initiatives envers des publics fragiles. Et donc, j'aimerais savoir si vous proposez un soutien, un accompagnement justement pour la mise en place de ce projet-là, qui est la mise en place d'un espace facile à lire. Vous parlez de... D'un accompagnement. Vous oui, ah oui, je vais à vous, Françoise. À moins que ça puisse se faire aussi avec d'autres bibliothèques du département, de la région. Après, je pense qu'on peut aussi… Vous avez des formations proposées par la bibliothèque départementale de Seine-Maritime. C'est vraiment pour la mise en place, en fait, et savoir comment présenter ce projet et comment le mettre en place en réalité. Oui, mais enfin, normalement, ça doit être abordé dans la formation. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la MDSM qui peut répondre. Moi, je ne connais pas le calendrier. Je ne sais pas quelle est la prochaine formation. D'accord. S'il y en a une de prévue prochainement. Sinon, oui, moi, bien sûr,
je peux intervenir pour une équipe précise dans une bibliothèque. Enfin, je le fais surtout depuis que c'est à distance. Parce que du coup, voilà, je peux faire des modules plus sur mesure, on va dire. Donc, c'est possible, mais je pense qu'il y a des choses proposées quand même par la BDSM. Qu'est-ce qui est là de la BDSM ? Alors, je vois que Catherine est là. Alors, la référente à la MDSM, c'est Marie Souchet, mais qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je peux vous donner son contact et vous verrez en direct avec elle. Elle pourra sans doute vous apporter plus de réponses là-dessus, sur l'accompagnement individuel, à moins que Catherine Broyard puisse dire un mot là-dessus. Oui, bonjour. Non, je n'ai pas le calendrier des formations là tout de suite en tête, mais je vous invite vraiment à nous recontacter et puis on pourra vous donner les éléments sur les formations et sur les kits faciles à lire qu'on a développés. Puisque nous, on fait déjà en fait quasiment on fait beaucoup de médiation avec ces publics-là. Donc là, ce qu'on recherche, c'est vraiment créer un espace dédié en réalité. Donc, vous préféreriez quelque chose de plus sur mesure par rapport à votre projet, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Bon, bah, très bien. Merci. Je pense que la médiathèque départementale fait aussi des formations de territoire. On appelle ça formation de territoire. Et puis, si, voilà, vous voyez avec eux. Et puis, sinon, oui, vous pouvez toujours. Moi, je peux faire pour une équipe. C'est possible. D'accord. Bah, merci. Dans la mesure du temps. Oui, bien sûr. Le calendrier. Viviane D'Acosta. Ah, il faudrait mettre votre micro, Viviane. Il n'est pas activé. Voilà, ça y est là ? C'est voilà. Bon. Bonjour. Donc, c'était pour répondre à la personne du Havre, je crois. Je suis inscrite à une formation à la MDSM qui s'appelle le Facile à lire en bibliothèque et qui se passera le 31 mai et le 1er juin prochain. Ah ben voilà. À titre d'information. Merci. Merci. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir ? Renata. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Et alors, je suis Renata Pankouk, je travaille dans le réseau des médiathèques de Strasbourg et merci aussi m'avoir permis de participer à cette journée. J'ai deux questions juste par rapport à votre exposé, Françoise Zarnowski, sur l'évolution des espaces faciles à lire. Je pense que ça fait déjà pas mal d'années que ces espaces existent en Bretagne. Est-ce que vous avez vu ou constaté une évolution de ces espaces ? Comment ils ont changé par rapport au tout début de la mise en place ? Dans quel sens ça évolue ou qu'est-ce que vous percevez, vous, de ces évolutions ? Et puis une deuxième question sur le suivi des usagers de ces espaces. Alors, j'ai déjà participé et pratiqué beaucoup d'accueil, beaucoup de médiation avec des usagers éloignés de la lecture, mais souvent on se trouve à amorcer ou à faire un partenariat sur une année. Après, j'ai l'impression qu'on perd un tout petit peu les usagers, donc je sais que l'objectif, c'est l'autonomie, c'est qu'ils reviennent un tout petit peu tout seuls et qu'ils deviennent un usager des usagers comme les autres. Mais comment on peut évoluer avec eux, du coup, plus loin que juste accueillir un groupe et comment on peut les accompagner un tout petit peu plus finement de façon individuelle. Et voilà, éventuellement, comment évaluer ces actions, en fait, quel retour on peut avoir. Merci beaucoup. Ah, difficile. donc, l'évolution sur les 5 ans, ça dépend un peu des bibliothèques, en fait. Il y en a certaines qui se sont lancées au début, un peu missionnées par la DRAC, mais qui n'étaient pas forcément, c'était pas un souhait de leur part forcément. Et bon, là, ça n'a pas duré très longtemps. Donc, il y a quelques cas d'échec, c'est sûr. Comment dire ça ? Il y a certaines bibliothèques qui développent ça, mais un petit peu
c'est un peu péjoratif, mais à la petite semaine, c'est-à-dire un peu un minimum, et finalement, ils desservent les usagers qu'ils avaient déjà. Alors, ils trouvent que ça marche bien, mais ça marche avec les usagers qu'ils avaient déjà. Bon, bah, c'est pas très intéressant, parce que là, on remplit pas les objectifs du début, c'est très moyennement satisfaisant. Et puis après, il y a vraiment d'autres bibliothèques complètement impliquées qui, elles, progressent d'année en année au fil des prix aussi, et pour qui c'est un vrai travail de fond qui va jusqu'à ce que je disais à la fin de l'intervention, jusqu'à revoir tout dans la bibliothèque. Je pense à l'Esnévin au fond du Finistère, donc qui était dans les premiers. Et maintenant, l'équipe me disait, mais maintenant, on veut tout changer. On voudrait tout présenter comme le facile à lire. On en a marre des présentations, des classements, de la DIWE. Voilà, ils ont envie de faire la révolution complète, quoi. Donc, ça dépend vraiment des lieux et de la volonté des équipes, du soutien des élus aussi. Parce que ça ne repose pas que sur le militantisme d'une personne, hein, sinon... C'est pour ça que je conseille, moi, d'inscrire le facile à lire dans le projet d'établissement. Il faut vraiment pour que ça perdure. Et de la même façon, dans ce que vous dites sur les partenariats aussi doivent donner lieu à des conventions pour que les choses durent. Parce qu'on a tous connu, oui, on travaille avec tel partenaire et puis un an après, l'interlocuteur change et puis tout retombe à l'eau. Non, c'est trop bête. Donc, pour anticiper ça, moi, je pense qu'il faut toujours faire des conventions. Du coup, ça, c'est signé par vos élus, c'est signé par les directions d'établissement. Et bon, bien sûr, ça peut aussi s'arrêter, mais enfin, il y a plus de chances quand même que ce soit reconduit, surtout si on fait des réunions d'évaluation et qu'on le fait, j'allais dire professionnellement, quoi, en disant… en faisant des réunions bilan, en disant voilà, quels ont été les obstacles cette année, les plus, qu'est-ce qu'on peut faire l'année prochaine, quels moyens chacun met dans le projet. Ça, c'est une notion importante aussi, c'est que le facile à lire, ce n'est pas la bibliothèque qui amène tout aux partenaires. Il faut vraiment que les partenaires ont plein d'idées aussi. Alors déjà, il faut être un peu plus humble, je trouve, dans nos positionnements. Oui, on est spécialiste du livre, mais les autres ont des choses à dire aussi, même sur le livre. Et puis, ils sont connaisseurs des publics. Donc, d'intégrer vraiment les partenaires le plus en amont possible, parce que ça, c'est la clé de la réussite. Alors, ça demande du temps aussi. Nous, en Bretagne, donc au début, ouais, c'était les bibliothèques qui allaient frapper aux portes des partenaires avec plus ou moins de réussite. Et puis, au fil du temps, les partenaires, on les a intégrés dans la réflexion de départ. Donc, par exemple, il y a des partenaires du monde de la formation dans le comité de pilotage du prix. Et ça nous paraît drôlement important parce que du coup, ça peut être l'inverse. Ça peut être des formateurs qui vont voir la bibliothèque en disant « bah attendez, facile à lire, ça nous intéresse, est-ce qu'on pourrait y participer ?» Donc, tout ça, c'est des gages de pérennité, en fait. Alors, est-ce que je réponds à toute la question? Je ne sais plus. Après, individuellement, c'est vrai que c'est compliqué. Vous recevez, par exemple, un groupe de tel organisme de formation. Alors déjà, d'une séance à l'autre, ce n'est pas les mêmes gens dans le groupe parce que voilà, certains ont fini leur formation, d'autres la démarrent. Enfin, il y a des allers-retours permanents dans les organismes de formation. Mais je pense que ce n'est pas grave s'ils ne reviennent pas dans votre bibliothèque. Si on a réussi à faire passer l'idée que les bibliothèques, d'une manière générale, ont maintenant des choses à proposer à des personnes qui débutent en lecture, l'apprenant va pouvoir aller aussi dans sa bibliothèque de proximité. Et maintenant qu'on a de plus en plus d'espaces faciles à lire, il y a des chances qu'il puisse effectivement retomber sur une bibliothèque. Oh, ah tiens, il y a le logo, donc il y a la même chose que la bibliothèque, je ne sais plus d'où vous êtes, à Strasbourg.
Donc, mais après, c'est sûr qu'on n'est jamais complètement certain. Je pense à des exemples précis quand même de gens qui ont vraiment continué à prendre le chemin de la bibliothèque, qui sont venus une première fois par un groupe, à l'occasion du prix, etc., et qui maintenant reviennent régulièrement. On a des exemples concrets. Après, c'est du travail de dentelière, hein, la lutte contre l'illettrisme. On ne va pas changer d'un coup la vie des gens. Et puis, on sait qu'on ne touchera pas de la même façon toutes les personnes d'un groupe. Mais ce n'est pas grave. Enfin, je pense qu'il y a quand même suffisamment de cas de réussite et de déclic qu'on a constaté pour que ça vaille la peine. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de clore la matinée ? Alors, si c'est terminé pour tout le monde, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre participation.